Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, vous avez reconnu l'endroit. C'est vide, hein, il n'y a pas de Tesla. Et je me suis branché sur la fameuse borne, petite borne que vous voyez ici. Type 2, câble attaché. Et il n'y a pas de spécifié véhicule électrique. Bon, il y a le logo Tesla, c'est sûr. Mais bon, paraîtrait-il que ça fonctionnerait sur certaines Zoé. Et pas la mienne. Voilà, vérification en cours, toujours. Donc ça ne fonctionne pas. Mais ça fait rien de plus. Ça met pas la voiture en défaut ou quoi que ce soit. Ça fonctionne pas, c'est tout. Alors comme cette petite borne a été installée après l'installation d'Estelle rouge Tesla à haute puissance, pardon. Donc je suppose que c'est une borne un peu universelle, mais j'ai pas trouvé d'informations à ce sujet-là. Puisqu'elle était installée après, pourquoi pas? On peut toujours supposer, mais sur la Mazoé, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que c'est le moteur Continental qui veut ça? Est-ce que ça fonctionnerait avec un moteur Renault? Est-ce que ça fonctionnerait avec une autre voiture d'une autre marque? C'est possible, mais bon, j'ai pas de retour pour l'instant là-dessus non plus. Donc, vous voyez, hein, si un jour vous voulez essayer, c'est pas interdit. Voilà. Ça aurait été trop beau. Hein. Alors, température, alors, vous m'excuserez pour le taux focus du smartphone qui se met un petit peu à dérailler. Les températures, bah, c'est pas du tout de saison. Hein. L'autonomie, bah, c'est grimpe, ça grimpe, ça commence à approcher les 300 km. Bah oui. Dès que ça dépasse. J'avais 12 degrés tout à l'heure. On n'est que début janvier. Hein. Il devrait geler, là, il devrait faire froid, il devrait. Bah non. Bon, c'est tout. Je voulais faire une petite vidéo là-dessus pour montrer un peu l'aspect de ces bornes et leur fonctionnalité ou pas sur la Zoé. Je vous dis à bientôt et merci.